Et nous revoilà pour le dernier, pour la dernière chronique de cette émission 26 d'Allo la NUPES. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait Rosa Luxembourg. Donc Scarlett devait faire cette chronique, mais malheureusement elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais elle m'a envoyé ses notes, et donc je vais pouvoir vous lire un peu ce qu'elle a écrit sur Rosa Luxembourg. Et voilà, donc je vais commencer ça, et donc ça s'inscrit évidemment dans les portraits de femmes de la circonscription, de femmes historiques de la circonscription, et donc voilà, je commence. Alors, Rosa Luxembourg, il y a 100 ans, en 1871, éclatait la Commune de Paris. Mais 1871, c'est aussi l'année où naît, dans un petit village polonais, Zamocz, Rosa Luxembourg, d'une famille de la bourgeoisie juive polonaise. La famille s'installe ensuite à Varsovie, qui était à l'époque sous domination russe. En 1881, Rosa Luxembourg assiste au pogrom de Varsovie dans un contexte où il y a un grand antisémitisme d'État. Elle prend alors la conscience qu'il faut changer ce système inégalitaire et brutal. En 1889, elle va partir seule à Zurich, en Suisse, où elle commence à étudier l'économie politique et son ouvrage de référence est Le Capital de Marx. Donc, dans ce livre, elle trouve les réponses à ses questions et sa grande question, en fait, qui est comment changer le monde et le monde pour le meilleur, notamment. Elle devient une grande théoricienne marxiste et philosophe également. Elle parle six langues, donc l'allemand, le polonais, le russe, le français, l'anglais et le yiddish. Ça fait sacrément plus que moi, hein. Ça c'est sûr. Et à la fin de 1890, elle fait un mariage blanc avec Gustav Lübeck, un socialiste allemand. Donc son but avec ce mariage, c'est de pouvoir vivre à Berlin, car elle pense que la révolution commencera à l'époque dans l'Empire allemand. Rosa Luxembourg, elle s'impose parmi les penseuses et les penseurs marxistes allemands et devient même une des leaders de l'Internationale ouvrière. Elle se rapproche en Allemagne donc du SPD, le parti de gauche allemand. Le plus grand parti ouvrier de l'époque, si je me trompe pas. Elle garde à l'esprit que tout part du peuple. Et face aux partisans de la lutte armée, elle préfère une révolution qui est plutôt pacifiste et mondiale, on pourrait dire internationale. Donc pour cela, elle propose plusieurs choses, remplacer les armes par des livres en mettant en avant l'éducation populaire. Elle pense aussi que la révolution doit libérer les femmes, et notamment elle se rapproche de Clara Zetkin. Et petit teaser, on vous présentera avec Scarlett le mois prochain Clara Zetkin. Et pour finir, elle est aussi contre toutes les formes de nationalisme, et pour elle, la révolution, elle sera mondiale ou elle ne sera pas. Donc forcément, elle incarne tout ce que les conservateurs de l'époque détestent. C'est une femme diplômée, intelligente et étrangère. Donc ça a dû faire effectivement pas mal grincer des dents à l'époque. La Première Guerre mondiale éclate en 1914 et le SPD doit prendre une position. Et il y a une grande division qui se autour de est-ce que l'Allemagne devrait être pour ou contre la guerre, en fait. Et le SPD en particulier, quelle est sa position là-dedans? Et donc, Rosa Luxembourg, elle est profondément contre la guerre, car en fait, elle pense que cela ne servira pas la classe populaire. Et il faut se souvenir que dans une logique, effectivement, internationaliste, bah, le SPD, c'est le parti frère du Parti socialiste de l'époque, ou de, me semble-t-il, la SFIO de l'époque en France. Donc oui, voilà, c'est pas quelque chose qui a priori fait sens dans sa vision des choses. Et pendant la guerre, elle est condamnée à 12 mois de prison pour avoir critiqué l'armée, et elle passera un bon moment de la guerre, je crois, de 1915 à 1916, et ensuite elle sera réemprisonnée.
Et en prison, elle continue à écrire pour le mouvement qu'elle a créé et que vous connaissez sans doute, qui est la Ligue Spartakiste. Et donc, elle a écrivait en réaction à l'horreur de la guerre et des tranchées. Et l'objectif de cette ligue, c'était arrêter le conflit et déclencher la révolution sociale. Donc, en 1917, la première et la deuxième révolution russe se passe et Rosa Luxembourg, elle entretient un échange épistolaire avec Lénine. Cette révolution, elle lui donne beaucoup d'espoir. Cependant, elle reste quand même très critique de certaines des décisions des bolcheviks. Et en 1918, il y a la révolution de novembre en Allemagne. Le Kaiser abdique, les prisonnières et prisonniers politiques sont libérés, dont Rosa Luxembourg. Et c'est un moment où les ouvriers, les soldats réclament un partage du pouvoir et des richesses. Et Rosa Luxembourg, en fait, elle devient rapidement une figure de ce mouvement. Elle écrit des tribunes révolutionnaires, notamment contre le chef du SPD, Friedrich Ebert. Donc Friedrich Ebert, lui, devient chancelier en négociant un accord secret avec l'armée et avec les conservateurs, et il s'est engagé, en gros, à rétablir l'ordre, comme il le dit, par la force, s'il le faut, à Berlin. Et donc il met en place une république parlementaire et bourgeoise. Et donc, évidemment, Rosa Luxembourg appelle à sa démission immédiate, et c'est à peu près à ce moment qu'elle va fonder aussi le parti communiste allemand, le KPD, avec les Spartakistes, et entre le 30 décembre 1918 et le 1er janvier 1919. Et là, tout s'accélère. Les 5 et 6 janvier 1919, les ouvriers berlinois dressent des barricades dans Berlin. Rosa Luxembourg pense que c'est trop tôt pour la révolution, mais soutient malgré tout, le mouvement qui commence. Et le 7 janvier 1919, un demi-million de Berlinois répond à un appel pour manifester contre. Répondre à l'appel à manifester de l'extrême gauche, mais il y a une réponse du pouvoir qui est très violente. L'armée et les milices d'extrême droite sont envoyées à Berlin et elles font régner une terreur pendant assez sanglante pendant 4 jours. La révolution est écrasée et ça va donc en fait. Rosa Luxembourg va donc écrire son dernier article le 14 janvier 1919. Qui s'appellera L'ordre règne à Berlin. Et le lendemain, le 15 janvier 1919, elle est arrêtée puis assassinée par des militaires qui devaient l'amener en prison, et son corps est jeté dans un canal. Donc elle laisse derrière lui une œuvre d'une quinzaine de volumes, dont l'accumulation du capital en 1913 et la brochure à Junius, rédigée en prison et publiée en 1916. Et donc, ce sont deux grandes réflexions panoramiques sur la notion d'impérialisme et qu'elle ajoutera au marxisme. Et donc, elle a aussi publié un grand nombre d'articles aussi dans les différentes revues de gauche de l'époque. Donc voilà, ça c'était un rapide panorama, je pense, de qui était Rosa Luxembourg, donc une femme très importante de la circonscription. Et donc, en fait, Scarlett m'a donné aussi deux petits liens à vous envoyer. Donc, il y a un lien que je vous ai envoyé dans le chat qui est en fait un podcast sur Rosa Luxembourg et son idéologie révolutionnaire et marxiste. Donc ça, c'est un podcast de France Culture et un autre qui est un podcast de Révolution Permanente où vous aurez plutôt l'aspect historique. Donc voilà, ça fait un spectre assez large et n'hésitez pas, ce sont des podcasts très très intéressants. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce portrait assez court sur Rosa Luxembourg. Et donc, on se retrouvera le mois prochain pour un portrait sur Clara Zetkin, qui notamment a mis en place les journées internationales des femmes. Voilà. Donc, un dernier petit jingle et on se retrouve pour la conclusion. À bientôt et un grand merci à Scarlett pour les notes.
Ciao, ciao, à bientôt.